Digital Center pour un numérique utile à tous. Un programme gratuit et accessible à tous pour se familiariser au monde numérique, développer ses compétences ou se faire accompagner dans un parcours professionnel. Découvrez l'atelier « Apprendre à protéger ses données personnelles ». On ne vous demande plus aujourd'hui si vous avez un numéro de téléphone, on vous demande si vous avez une adresse mail. C'est de rajouter une petite partie qui va être variable. Renforcer ses mots de passe, éviter le démarchage intempestif et les arnaques en ligne, ces démarches ne sont pas forcément évidentes pour les personnes présentes à l'atelier autour de la protection des données personnelles organisées par Orange Digital Center. Ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est comment on fait pour un petit peu mettre le curseur à un endroit où vous donnez certaines données personnelles, mais surtout vous savez ce que vous partagez et vous savez comment réduire cette exposition. Les gens sont très curieux, ils connaissent pas mal de choses en fait sur ce sujet-là, mais ils savent pas exactement, ils connaissent pas les tenants et les aboutissants, donc nous on est là pour leur amener une expertise un peu technique et leur expliquer comment ça fonctionne. La mairie de Mecon a décidé cette année de mettre en place plusieurs de ses ateliers de sensibilisation au programme La prise en main des smartphones, la découverte des réseaux sociaux et l'utilisation de WhatsApp. Donc ça permet aux personnes, notamment d'être moins isolées, de pouvoir communiquer en famille. La fracture numérique, elle est perpétuelle, quoi, puisque les outils, les applications évoluent sans cesse et donc on est obligé de se les réapproprier. Et ce jour-là, à Mecon, les participants prennent aussi conscience de l'ensemble des données personnelles qui transitent sur Internet, et ce, sur un nombre très important de sites et d'applications. Vous partagez quand même des données personnelles qui vont être votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Donc tout ça, pour faciliter les démarches administratives, vous êtes obligé de les partager. Trois ambassadeurs Orange animent ce temps d'information et d'échange. Tous sont des salariés volontaires. J'ai un travail plutôt technique, je suis développeur à Orange Innovation et je croise finalement assez peu de public. C'est des gens qui ont besoin de partager leurs difficultés face à cet outil-là et d'être là, de pouvoir les accompagner et de pouvoir les aider, ben c'est hyper enrichissant et voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est top. Un temps d'échange informel a aussi permis aux participants de mettre en application les conseils délivrés au cours de l'atelier. On apprend que c'est comme dans une maison, on n'introduit pas n'importe qui. Je reviendrai parce que je voudrais m'améliorer quand même. Il faut nous expliquer plusieurs fois avant qu'on comprenne, parce que notre disque dur est déjà chargé d'années d'expérience. On n'est pas du monde numérique et on rame. Avec ses ateliers, gratuits et ouverts à tous, Orange Digital Center et ses animateurs espèrent aujourd'hui réduire la fracture numérique. On retrouve ce qu'on a évoqué tout à l'heure.